Alors, l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine est particulièrement heureuse d'accueillir le grand rassemblement de jeunes de Thésée entre Noël et Nouvel An cette année, à Strasbourg et alentour. Ce rassemblement est précieux parce qu'il concerne la jeunesse européenne. Il permet rassemblement, échange, prière aussi, discussion sur les valeurs de l'Europe, justement, sur les valeurs de l'avenir. Et nous sommes très heureux que cette rencontre puisse avoir lieu de façon œcuménique, en lien avec l'archevêché de Strasbourg et puis aussi de l'autre côté du Rhin, avec l'archevêché de Fribourg, et pour, en ce qui nous concerne, avec nos frères protestants du pays de l'Ortenau-Kreis, pour être précis. Voilà, je pense que c'est notre époque manque de ces, ou a besoin de ces rassemblements de jeunes qui sont porteurs d'avenir et d'espérance. Alors ces rassemblements, traditionnellement, rassemblent tous les ans des milliers de jeunes venus de toute l'Europe. Il est heureux que cette année, cela puisse se faire à Strasbourg, capitale européenne, lieu de rassemblement. Le mot de Strasbourg lui-même implique la rencontre, mais là, il n'y a pas de rencontre sans échange et sans partage. Et puis, effectivement, le fait de pouvoir entrer dans les dimensions de prière, de recherche biblique et spirituelle de Thésée est particulièrement intéressant et prometteur. Donc, j'espère que le plus grand nombre de lieux d'église protestants et de protestants d'une manière générale dans la région se mobiliseront et comprendront tout le bénéfice qu'ils pourront retirer de cette rencontre avec des jeunes venus de tous les coins d'Europe.